Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, bienvenue au potager qui dit non. On va démarrer ensemble cette saison nouvelle, la troisième pour nous si je ne me trompe pas, avec d'emblée quelques difficultés qu'on a rencontrées l'année dernière et ça se reproduit de nouveau cette année. Nos concombres ici sont bien partis, sont magnifiques. Enfin, donc il y a trois pieds hein, sur ce morceau de treillis soudé, il y a trois pieds de concombres qu'on va faire courir. Ce qui est important, c'est qu'en fin de compte, ce sont c'est la troisième ou quatrième série de trois plants de concombres qu'on a installé comme ça cette année. Hein. Et d'une manière générale, en fin de compte, on a raté absolument toutes nos cucurbitacées. On peut voir un peu devant ici, je crois, des butternuts. Il y a deux beaux pieds de butternuts que j'ai récupérés à mon copain Seb, d'ailleurs merci Seb encore parce que voilà, ils sont magnifiques, il y a déjà les premiers fruits dessus, c'est très bien. Pour ma part, tout ce que j'ai tenté en cucurbitacée, tout ce que j'ai semé à la maison a été pris d'un champignon, je pense. Hein. C'est le feuillage, une fois installé au jardin, hein, à la maison tout allait bien. Une fois installé au jardin, le feuillage devenait complètement gris, un peu couleur plomb en fin de compte. Et puis ça mourait quoi, et la plante mourait en quelques jours. Donc j'ai perdu absolument tous les concombres, les potimarrons, les potirons, les courgettes, enfin tout ce que j'ai pu semer comme ça à la maison et ramener ici au jardin est mort. Donc une catastrophe. Alors je me trouve devant le problème que je suis en train d'évoquer. Je vous parlais donc de mes cucurbitacées. Et voilà au dernier stade ce que ça peut donner. Et c'est assez intéressant aujourd'hui. Voilà comment ça commence. Alors, ou plutôt, voilà, c'est comme ça ici. Voilà comment ça commence. C'est-à-dire que ça commence par prendre une couleur un peu gris, plombée un peu. Hein. Voilà, alors ici on voit très bien sur la partie supérieure ici du limbe de la feuille, on voit très bien la coloration un peu grise que le champignon confère à la feuille au démarrage de l'infection. Après ça se gâte, hein, et, bon, ça finit comme ça, mais en quelques jours. Hein. Je vous rappelle donc que ces deux plants-là ont 6 jours de plantation, et je les ai vus se dégrader à partir du jour 2. Voilà, donc ça c'est le travail finalement de 4 jours. Hein, voilà. Les nouvelles feuilles sont déjà menacées à mon avis. Hein. Donc là, il va vraiment falloir faire quelque chose. C'est comme ça pour ces courges musquées de Provence. Ici, c'est la même chose pour mes concombres de l'autre côté. L'année dernière, ça s'était un peu arrangé en plantant très tard avec des plants un peu de sauvegarde qui m'avaient été donnés par les copains qui me dépannaient, parce que moi je ressemais et puis voilà, dès que je remettais quelque chose ici, ça va très très bien chez moi. Tant que c'est à l'abri, à la maison, tout va bien. Et dès que c'était installé ici en pleine terre, j'avais ce champignon, parce que manifestement il s'agit d'un champignon qui se développait. Alors j'ai écarté deux grands champignons très connus, qui font parfois du ravage au potager. Je parle de l'oïdium, hein, qui donne un feutrage blanc très caractéristique, notamment sur les courgettes, plutôt en fin de saison. Bon, voilà. Il s'agit pas du tout d'oïdium ici, c'est un champignon que je connais très bien, notamment sur les plantes d'ornement, qui relèvent plus de ma compétence. Et j'écarte également le botrytis, qui, a priori, le botrytis devrait normalement aussi attaquer le collet, et puis ça se passerait plutôt à la maison dans ce cas-là, en milieu un peu moins aéré, etc. Et non pas une fois arrivé au jardin comme ça se produit ici. Voilà, donc les concombres ici sont sensiblement dans le même état. Il y a encore un peu de feuillage sain, j'ai peut-être une chance de les sauver. On va voir, mais bon, j'y compte pas trop quand même. Alors, au rayon des solutions, eh bien, on veut essayer de rester le plus propre possible, évidemment. Je ne veux pas non plus renoncer, comme je l'ai fait à une grande partie de mes courges, comme je l'ai fait l'année dernière. Il faut agir. Donc, on va entreprendre un traitement initial
c'est l'objet de cette première vidéo ici, et je vous retrouverai un peu plus tard avec une seconde vidéo qui sera un peu pour vous le suivi, hein, qui vous permettra de suivre un petit peu l'efficacité ou pas d'ailleurs du traitement qu'on va entreprendre. Donc la substance qu'on a retenue ici est strictement minérale, il s'agit du soufre. Hein. On va essayer de corriger ça et de contrarier au maximum ce champignon avec du soufre. C'est ce qu'on a trouvé de plus naturel et on verra si cette action du soufre est réellement fongicide, j'y crois pas trop, ou tout au moins fongistatique, ce qui serait déjà pas mal, hein, c'est-à-dire de, si ce n'est tuer le champignon, au moins le bloquer dans son développement. Et dans ce cas-là, on verra une application de soufre également, alors régulière, notamment s'il y a des pluies entre deux, qui sera apportée à tous nos plants futurs de courges, hein, qui sont encore à la maison. Il y en a beaucoup qui nous attendent encore à la maison, on va les planter dans les prochains jours, et ce sera accompagné de soufre. Cela, ici, serviront un peu de plan témoin, mais c'est vraiment du sauvetage. Hein. Bon, j'ai pas trop d'espoir quand même de les tirer d'affaire. Bien évidemment, je vais supprimer les feuilles qui ont été de toute façon déjà très atteintes par le champignon. Hein, ça va de soi. Donc voilà, c'est vite fait, hein, saupoudrage, la fleur de soufre donc est une poudre extrêmement fine et assez adhérente sur le feuillage. Ça, c'est la bonne surprise. J'avoue que bon, je suis pas coutumier du fait, hein, donc j'ai suivi les prescriptions du fournisseur à la lettre. Hein, je suis pas du tout coutumier de l'application de quoi que ce soit, donc il est donc recommandé de pulvériser ou de saupoudrer à la fois sur le feuillage et sur le sol. Donc bon, voilà, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, ce sera à suivre, et sur ces plans là donc témoins que je viens de vous montrer, et sur les nouvelles plantes que je réinstallerai ici prochainement, dont je vous rappelle que si je fais pas ça, là c'est sûr, elles seront attaquées comme elles l'ont été l'année dernière, quoi. Un autre petit changement aussi, alors c'est pas un changement durable, c'est plus ça s'apprend plus à un accident. Le potager qui dit non n'a pas été paillé l'hiver dernier, donc on a négligé d'apporter du foin. Deux explications à ça. On a vraiment morflé ici l'été dernier avec les pics de chaleur qu'on a eu notamment. Alors la sécheresse c'était un problème, la chaleur c'en était un autre. On a vraiment eu une année extrêmement compliquée, c'était vraiment pas drôle. Et j'ai été un peu abasourdi par cette saison difficile. À la suite de ça, j'ai subi une intervention dans l'épaule gauche. Je me suis fait couper un tendon et pour le raccrocher ailleurs sur l'os, enfin quelque chose d'assez compliqué qui m'a immobilisé un bon moment aussi. Et voilà, pour toutes ces raisons, je n'ai pas pu subvenir aux besoins évidents du potager en foin. Et donc, le verdict est sans appel. Hein. Je me rends compte dès à présent qu'on va le payer, mais alors très très cher. Hein. On a commencé à planter un peu, un certain nombre de choses, les petits pois, quelques salades, les oignons, quelques choux, des bricoles comme ça. Et ça commence joyeusement à s'enherber, quoi. Donc on va avoir un premier problème qui va être le désherbage à gérer. On ne s'occupait jamais de ça jusqu'ici. Hein. Et je vois venir, bien évidemment, à l'horizon, un problème également de maintien de l'eau dans le sol, hein, et de sécheresse l'été prochain. Voilà, donc on va encore une fois devoir faire avec des difficultés cette année, je le crains. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ça s'explique. Bon, voilà, c'est une année comme ça. Ça ne constitue, hein, je le précise bien, si vous voyez des images dans les vidéos à venir du potager sans son foin habituel, ça ne constitue en aucun cas un revirement, hein, dans notre approche, hein, une volte-face, ou enfin voilà, on n'a pas retourné notre veste pour le dire comme ça, hein, on reste convaincu plus que jamais par cette approche. C'est juste que nos contraintes personnelles nous ont un petit peu gênés dans cette histoire-là, et qu'on a eu du mal à subvenir à ça cette année, quoi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, hein. Je pense que l'essentiel a été dit. C'était donc au sujet notamment de l'emploi de ce soufre dans la lutte contre ce champignon que je n'ai
pas déterminé. Donc d'ailleurs, j'en profite. Si quelqu'un sait clairement de quoi il peut s'agir, je veux bien. J'ai cherché un peu, j'ai pas obtenu le nom de ce champignon précisément. Et je vous retrouve donc très très bientôt, je pense, hein, avec une prochaine vidéo qui sera probablement axée sur donc le suivi et de ces plans-là et des futurs plans. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.